6 erreurs qui vous empêchent de perdre du poids. Vous oubliez de faire de l'exercice. Aucun régime ne marche s'il n'est pas accompagné de sport. C'est triste, mais c'est ainsi. Nous ne vous conseillons pas de vous entraîner à courir un marathon, mais de prévoir 3 séances de sport par semaine où vous alternez cardio-training et musculation. Et surtout, n'oubliez pas de marcher chaque jour. Vous sautez le petit déjeuner. Ne sautez jamais votre petit déjeuner. En effet, vous vous réveillez 8 à 10 heures après votre dernier repas et votre corps est comme une voiture. Il a besoin de fuel pour fonctionner. De plus, si vous ne mangez pas le matin, il y a de fortes chances que vous mangiez trop au déjeuner. Vous ne consommez pas assez de calories. Votre corps a besoin d'un certain nombre de calories pour fonctionner normalement. Si vous en consommez moins de 1000 par jour, vous risquez des problèmes de santé. En tout cas, il est certain que vous ralentissez votre métabolisme et il lui faudra plusieurs années pour se remettre à fonctionner convenablement. Vous ne contrôlez pas la taille de vos portions. La quantité de nourriture que vous mangez au cours d'un repas est importante. Si vous mangez trop, vous ne pourrez pas bien digérer cette nourriture et, si vous mangez trop peu, vous ne satisferez pas les besoins de votre corps, en vitamines, minéraux, protéines, calories, glucides, fibres, etc. Contrôler la taille de vos repas est quelque chose que vous devez toujours garder à l'esprit. Et souvenez-vous qu'il est mieux de manger 5 petites portions par jour que 3 grands repas. C'est ainsi que vous stimulerez votre métabolisme. Vous ne dormez pas assez. Le sommeil a la même importance pour votre corps que l'eau et la nourriture. Si vous ne dormez pas assez, votre régime ne donnera aucun résultat. Il serait quand même dommage que vos efforts pour perdre du poids ne donnent rien à cause de quelque chose que vous pouvez facilement éviter et vous mangez dans des conditions de stress. Vous êtes toujours stressé et de nouveaux problèmes surgissent constamment. Qu'êtes-vous censé faire pour vous sentir mieux? Certainement ne pas vous gaver de fast-food ou d'alcool, comme par le passé. Donc, vous devez trouver un nouveau moyen d'évacuer votre stress et de vous sentir mieux. Quelques conseils pour soulager votre stress, faites du sport, ou même une simple marche. Voyez des amis, faites de la méditation, ou même une sieste si vous y arrivez, et mangez des aliments riches en acides gras oméga-3.